Attendant désespérément le retour d'Ulysse retenu en mer et que l'on croit mort, Pénélope, son épouse, est pressée par une foule de prétendants qui désirent se marier avec elle. Ne vous méprenez pas, ces passions soudaines ne sont pas dictées par l'amour, mais par l'avidité du pouvoir. Qui s'unit à la douce et belle Pénélope gouverne le royaume d'Ithaque. L'épouse fidèle, aidée de ses suivantes, trouve le moyen de gagner du temps en promettant d'annoncer le choix de son futur mari dès l'instant où elle finirait de tisser cette toile. Une toile qu'elle défait entre nous chaque nuit pour la recommencer au lever du jour. Pourtant, l'impatience se fait de plus en plus ressentir ainsi que l'urgence de ce nouveau mariage. Allez, Pénélope, choisis-moi! Je ne peux pas, je suis en train de fuir ma toile! Ça fait des mois qu'on attend et tu n'as toujours pas fini. Il faut le temps qu'il faut! Moi, ma sœur met seulement quelques semaines à faire une toile. Je t'ai apporté de jolies perles, ma belle Pénélope, pour aller avec tes beaux cheveux et ta belle robe. Bon, ce n'est pas très joli ce qu'elle tisse, hein, mais au moins elle finit vite. Moi, je t'ai apporté des fleurs et des perles. Parce que tu n'es pas seulement belle, Pénélope, tu es magnifique. Et elle ne chante pas très bien, je l'avoue. Et moi, je n'ai toujours pas pu te faire écouter ma chanson tragique, celle où la femme meurt emportée par une hydre et où l'homme se pend par désespoir. Mais bon, elle ose toujours proposer une petite mélodie pour les dîners de famille. Mais ce collier, je l'ai fabriqué moi-même pour toi. Belle, belle, belle Pénélope. Elle n'est pas très belle non plus. Je n'ai pas fabriqué moi-même ces colliers, mais je me suis fait une couronne de lierre pour toi. Car je sais que tu aimes cette plante. Mais bon, elle a une belle dentition, donc ça passe. Après, je peux faire une chanson plus courte qui raconte l'histoire d'un homme sombrant dans la folie après avoir perdu son épouse dans un accident de charrette. Regarde mon collier. Et elle n'est pas très intelligente non plus. Épouse-moi, Pénélope. Pas avant que je finisse cette toile. Ils ont l'air très insistants, les prétendants, ce matin, madame. Ça, c'est à force de rester sur le seuil de la porte jour et nuit. Je ne suis pas sûre qu'ils doivent bien dormir. Nous non plus, d'ailleurs. À force de défiler cette toile la nuit, je me vois défaillir le jour. Nous n'avons pas d'autre choix que de le faire. Il faut gagner du temps pour mon époux. Après tout ce temps, madame, croyez-vous vraiment qu'il soit encore en vie? Oui, je le crois. Et quand bien même, il est hors de question que je cède le royaume d'Ulysse à ces hommes dérangés. Je t'aime, Pénélope! J'ai ouvert tous les huîtres d'Ithaque pour ce collier. Elle n'est pas très gentille non plus. Je peux aussi te chanter l'amour d'un homme au cœur brisé, abandonné par la nymphe Dorothée et qui s'est suicidé pour Apollon.